TPMP, Benjamin Castaldi révèle que Flavie Flamand l'a quitté par texto. Le chroniqueur de TPMP Benjamin Castaldi a fait une révélation concernant sa vie privée. Il a expliqué comment Flavie Flamand l'avait quitté. Ce mardi 20 mars, Cyril Hanouna a demandé à tous ses chroniqueurs dont TPMP quelle a été votre rupture amoureuse la plus insolite, et tout le plateau a joué le jeu en dévoilant des histoires assez drôles. L'animateur Benjamin Castaldi a confié sa mésaventure concerne Flavie Flamand. En effet, cette dernière l'a violemment quitté à l'aide d'un simple SMS alors qu'ils étaient mariés. Les chroniqueurs de TPMP font des confidences. Après Valérie Benahim qui a quitté une personne, car elle était toujours d'accord avec elle, ou encore Maxime Guénier qui s'est fait larguer, car son conjoint avait envie de le claquer, quand il parlait mais aussi Julien Courbet, qui a largué une personne par courrier, mais elle ne l'a jamais reçu. Benjamin Castaldi a aussi fait quelques confidences sur la pire rupture qu'il a dû subir dans TPMP. Au moment de trouver la personne qui s'est fait jeter par message, le présentateur Cyril Hanouna a immédiatement lancé Castaldi en pleine nuit, je le vois bien se faire larguer. Et il avait vu juste. En effet, marié depuis 6 ans Benjamin Castaldi s'est fait larguer par sa femme par un simple SMS. Benjamin Castaldi largué par sa femme par SMS. Le chroniqueur a expliqué, exactement. C'était ma femme. Enfin je faisais la matinale sur une radio, RTL2. Je partais assez tôt le matin, et je revenais après l'émission, et je faisais une petite sieste parce que j'étais fatigué. Et j'ouvre mon téléphone et j'ai ce texto qui me dit bah que voilà c'est fini. Avant d'ajouter aussi, c'était incroyable. C'est ouf. Je n'étais pas exemplaire non plus. J'étais pas le plus parfait des maris, mais c'était assez viol le texto. Surtout quand c'est votre femme en effet, Flavie Flamand et son mari Benjamin Castaldi se sont mariés en 2002 et ont divorcé en 2008. Ils ont aussi un enfant en 2004.